Ariane Bourrelier, je suis donc directrice de la MJC Montmélie-Madeleine Rébériou, association MJC Montmélie-Madeleine Rébériou à Créteil. Voilà, et donc on a organisé le spectacle de danse. En fait, c'est la finalisation du travail de toute une saison. Et cette année, c'était dans le cadre du printemps de la danse, donc organisé avec différents partenaires sur le territoire, notamment le conservatoire. Donc ce travail, le travail de spectacle, en gros, c'est pendant une saison, des enfants, des adultes, des jeunes travaillent toutes les semaines, d'abord sur des questions techniques, ensuite sur des questions de création de spectacle, et ensuite font leur présentation, donc tous ensemble, en essayant de trouver le plus d'unité possible entre les uns et les autres. Voilà. Et cette année, la spécificité quand même, c'était de rentrer dans le cadre, de danser dans le cadre du printemps de la danse. Donc nous avons accueilli en plus de nos groupes des cours de danse des danseurs du conservatoire et des danseurs du CLAP de la ville de Créteil. Voilà, c'est un moment de rencontre qui est assez intéressant. C'est la première fois qu'on l'organise avec eux. Enfin avec eux. On les accueille dans notre spectacle. Et nous, nos groupes de danse africaine et de danse moderne adulte sont partis danser vendredi et samedi au conservatoire. Donc on fait des échanges de danseurs et des rencontres, ça c'est intéressant pour tous. Voilà, alors la danse africaine au conservatoire, c'est pas mal, et on a la danse classique à la Maison des Arts. Voilà. Je m'appelle Olivia Doublet, je suis la maman de Maëva qui fait de la danse indienne. J'habite à Créteil et le spectacle était vraiment magnifique. Avec des très beaux costumes, des très belles musiques, et puis toutes les musiques étaient vraiment bien choisies, les enchaînements étaient parfaits, et on a vraiment apprécié le spectacle. Je pense que c'est magnifique, les enfants sont bien dansés, ils sont donnés tout le cœur, et puis les décos sont bons, les costumes étaient magnifiques aussi, donc c'était génial. Je me présente Yoba Sankaré, j'habite à Créteil, à la pointe du lac. Donc j'ai ma fille qui effectivement a participé au groupe de danse aujourd'hui. Donc je trouve que tout s'est bien passé. Que soient petits ou grands, ils ont tous super bien dansé, de super jolies chorégraphies. Moments forts, je dirais quand ma fille a dansé, mais sinon, je pense qu'il y a eu plein de moments forts quoi, à ce niveau-là. Donc, surtout les danses indiennes, j'ai bien aimé les danses indiennes. Les costumes étaient super jolis, les petites filles étaient magnifiques aussi, synchro, donc voilà quoi. Mais bon, sinon, tout était bien.